J'inviterai Bilal Tabetchoun, qui a été assistant de recherche dans le laboratoire dans les derniers mois. Et aujourd'hui, il lance le fruit de son travail, un très beau rapport. Oh, il y a une suite. Donc, il y a quatre rapports physiques, mais c'est également disponible en PDF. Donc, c'est dans l'activité 3.3 où on visait à regarder quels sont les facteurs de succès de tel programme, de ALUS, mais de d'autres dans le monde. Donc, Bilal a fait un effort de revue littérature et même d'aller identifier deux études de cas. Un effort très exhaustif et on reçoit beaucoup de questions depuis que le projet ATTRAPE est lancé de la part de différentes organisations, des OBV, de ministères, à savoir est-ce que c'est réellement applicable de tels programmes, qu'est-ce qu'il faut considérer. Donc, je pense que ce rapport-là va contribuer dans la littérature grise à répondre à beaucoup de ces questions et à semer des graines sur une possible implantation. Donc, il y en a disponible pour ceux qui seraient vraiment intéressés. Pour ceux qui sont intéressés, on peut vous l'envoyer par courriel. Merci Jérôme. Bonjour tout le monde. Dans ma présentation, ça s'intitule « Marché de nutriments en milieu agricole ». C'est un travail que j'ai fait durant les derniers mois avec une équipe tout autour de moi au laboratoire d'économie écologique. Et ils sont tous cités ici. Donc j'aimerais les remercier parce qu'on a beaucoup dans la salle aujourd'hui. Et aussi le rapport papier qui est présenté ici, dont l'aspect visuel est beaucoup plus appréciable que ma présentation, grâce à Sylvia Wood, que j'aimerais remercier. Donc, les marchés de nutriments font partie d'une plus grande famille qu'on appelle les marchés sur la qualité de l'eau. Et ici, je les appelle marchés de nutriments parce que ça adresse les enjeux liés à l'azote et au phosphore. Mais lorsqu'on parle de marché sur la qualité de l'eau, on peut s'intéresser à d'autres problématiques, d'autres types de contaminants, mais aussi des enjeux liés à la salinité de l'eau, et aussi même aller jusqu'à la température de l'eau. Et donc, j'essaierai d'expliquer un peu la logique derrière ces programmes. Donc, comme introduction, je vais commencer par une mise en contexte. Les émissions en nutriments émanant d'acteurs agricoles ont longtemps posé problème aux régulateurs publics pour deux principales raisons. La première raison, c'est que ces émissions émanent de décisions qui sont prises à très basse échelle, à un niveau local. Donc, ces décisions qui sont prises à l'échelle de la ferme et donc qui sont très difficiles à surveiller de la part des autorités publiques. Et même lorsque ces comportements sont surveillés, la conséquence des émissions est largement dépendante de plusieurs phénomènes vraiment complexes liés au type de production, type de culture, inclinaison des sols, type des sols et aussi régime de précipitation. Donc ça amène une très grande complexité qui était très difficile à appréhender par les autorités publiques, par des modèles de gouvernance plus traditionnels. Et donc, les récentes années ont amené une vague d'intérêt pour des instruments sur des instruments économiques, basés sur des dynamiques économiques. Et un des instruments les plus prometteurs par rapport aux enjeux aux émissions de phosphore et d'azote, c'est ce qu'on appelle les marchés sur la qualité de l'eau, qui est un outil de gestion de l'environnement que je vais essayer de vous présenter. Donc, les principes élémentaires d'un marché sur la qualité de l'eau, c'est que premièrement, les autorités publiques doivent définir un plafond d'émissions à l'échelle d'un bassin versant. Ce plafond d'émissions, il correspond à un niveau de la qualité de l'eau souhaité par les autorités publiques. Par la suite, on distribue les quotas parmi les émetteurs, que ces émetteurs soient des sources de pollution ponctuelles, donc des acteurs industriels, par exemple les usines de traitement d'eau, ou des sources de pollution diffuses, l'acteur qui représente le plus ce type d'émissions, c'est l'activité agricole. Et donc, lorsque cette distribution des quotas est faite à chaque acteur, on permet des échanges volontaires de droits d'émission. Donc, les acteurs peuvent soit utiliser les droits d'émission pour produire ou les échanger lorsqu'ils n'en ont pas besoin ou s'ils veulent le revenu financier que correspond. Il y a plusieurs avantages à la qualité de l'eau et j'aimerais les diviser en trois types d'acteurs. Premièrement, pour les sources de pollution ponctuelles, l'avantage majeur, c'est que ça leur offre des alternatives de compensation. Au lieu de diminuer leurs émissions sur le site, ils peuvent avoir accès à des compensations en dehors du site qui peuvent potentiellement représenter des coûts moindres
que ce qu'auraient demandé, par exemple, les installations techniques sur le site de l'usine. Pour les sources de pollution diffuse pour les agriculteurs, ben, ça représente des revenus financiers supplémentaires. Et pour les autorités publiques, ça représente un modèle de gouvernance beaucoup plus flexible, dans le sens qu'ils n'ont pas besoin de réguler individuellement les agriculteurs, ils n'ont pas besoin de définir leur structure de coûts. Ils limitent le plafond d'émissions et ensuite ils les laissent prendre leurs propres décisions. Et aussi, ça permet un autofinancement du programme au lieu d'un financement qui vient des autorités publiques directement. Le potentiel de réduction de coûts de ces programmes est avéré par des cas d'études, dans le sens que les compensations faites par des pratiques agro-environnementales coûtent moins cher que des améliorations techniques sur les sites industriels. Maintenant, le problème par rapport à la situation, c'est que on relève, que ce soit dans la littérature, à travers des cas d'études ou à travers des rapports gouvernementaux, un niveau d'activité anémique, inexistant ou anémique dans les programmes d'échange des émissions. Et donc, aujourd'hui, à travers ma présentation, je vais essayer de relever quelques facteurs qui permettent d'expliquer ces déficits de performance. Donc, de tous les facteurs que j'ai relevés durant ma revue de littérature, je les ai regroupés en 6 grandes familles. Premièrement, la reconnaissance de la problématique. Donc, comme les marchés sur la qualité de l'eau touchent aux enjeux de l'eau, les programmes doivent être installés au niveau des bassins versants. Et donc, ça limite grandement la couverture du territoire, c'est-à-dire que les programmes doivent être multipliés à chaque fois pour couvrir bassin versant par bassin versant. Il y a aussi un important point, c'est l'équilibre entre pollution diffuse et pollution ponctuelle. C'est-à-dire que si les agriculteurs sont responsables de la majeure partie des émissions dans le bassin, même les compensations qui sont financées par les acteurs industriels n'arriveront pas à diminuer la pollution dans le bassin versant. Donc il doit y avoir un équilibre entre les deux. Pour le cadre légal, c'est que c'est des programmes qui sont basés sur l'imposition d'un plafond d'émissions qui correspond à une cible clairement définie et légalement contraignante. Donc si au préalable on ne limite pas et on ne contraint pas légalement les acteurs à diminuer leurs émissions, ben, il va y avoir aucune demande dans les marchés pour les droits d'émission. Par rapport aux éléments du programme, il y en a 3 que j'aimerais soulever aujourd'hui. Il y a, premièrement, l'allocation initiale des limites d'émission. Comment on alloue les droits d'émission au départ? Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des mécanismes de loterie, des mécanismes d'enchères, mais le mécanisme qui est le plus souvent utilisé, c'est l'approche par droits acquis. C'est-à-dire qu'on prend une année de référence avant le début du programme, on calcule les émissions produites par chaque acteur, et ensuite, on définit ces émissions comme leurs limites de droits d'émission qui vont s'appliquer pour tout le reste de la durée du programme. C'est une approche qui soulève des enjeux d'équité, dans le sens que ceux qui polluent le plus au début vont avoir le plus de droits d'émission à la fin. Mais pourquoi elle est majoritairement choisie? C'est principalement parce qu'elle respecte les structures de coûts qui étaient présentes avant le début du programme. Le deuxième point, c'est la méthode d'estimation des émissions. Là aussi, il y a 3 types d'approches. C'est l'approche par modèle généraux, c'est-à-dire qu'on estime les quantités compensées de nutriments pour chaque pratique agro-environnementale, et ensuite on définit cette estimation comme mesure réelle de la pratique, alors que la compensation réelle sur le site n'est pas calculée au cas par cas. Il y a une approche encore plus précise, c'est l'approche par modèle spécifique au site. C'est que c'est des approches où ça correspond encore à des estimations, mais là on prend en compte des facteurs beaucoup plus locaux en termes de type de sol, de structure de production, de type de culture. Et la troisième méthode qui est la plus précise, c'est l'évaluation directe, mais elle est très peu utilisée parce qu'elle coûte très cher. Et finalement, on retrouve aussi souvent l'utilisation d'un ratio d'échange, c'est-à-dire que comme les compensations se vendent sur des sites agricoles, et donc leurs émissions sont très difficiles à estimer, on impose un ratio d'échange pour compenser l'incertitude.
C'est-à-dire qu'un site industriel qui voudrait compenser chez un agriculteur devrait compenser de 1 à 3 fois ses émissions réelles pour compenser l'incertitude. Il y a d'autres raisons, mais vous les trouverez dans le rapport si ça vous intéresse. Pour le type de participant, ça aussi, ça influence l'efficacité des programmes. Donc je vais commencer par les sources de pollution diffuse. C'est que les sources de pollution diffuse, les agriculteurs sont souvent prises individuellement de très petits émetteurs par rapport aux émetteurs industriels. C'est-à-dire que pour compenser une émission industrielle, il va falloir multiplier des compensations chez plusieurs agriculteurs pour pouvoir compenser une seule émission. Ça multiplie beaucoup les coûts de transaction. Pour les sources de pollution ponctuelles, le cas nord-américain est assez particulier parce que les agriculteurs ne sont pas régulés. Ils peuvent offrir des crédits d'émission s'ils adoptent des bonnes pratiques, mais eux ne sont pas limités par la loi, c'est seulement les acteurs industriels qui sont régulés. Et ça fait en sorte qu'il y a un problème de responsabilité légale, c'est-à-dire que les acteurs industriels vont tenter de faire des échanges entre eux sans profiter des économies de coûts offertes par le milieu agricole parce qu'ils ont peur que l'agriculteur ne respecte pas ses engagements en termes de compensation. Et le troisième type d'acteur, c'est les intermédiaires de marché. Et ça, c'est un acteur qui peut s'avérer important pour diminuer les coûts de transaction. C'est que c'est un acteur qui n'est pas régulé par le programme. Tout ce qu'il fait, c'est récolter ou acheter des droits d'émission disponibles sur le marché pour ensuite les revendre. Et donc, même si ça permet une fluidité des programmes. 2 minutes, ça passe vite. Il y a les dynamiques économiques et les rôles des autorités publiques que j'aimerais traiter un peu plus tard. Par rapport à ces facteurs, j'ai étudié 2 études de cas, le Total Phosphorus Management Program à South Nation et le Lake Taupo Nitrogen Trading Program en Nouvelle-Zélande. Et j'aimerais vous montrer comment ces six familles de facteurs peuvent aider à une analyse. Je vais passer rapidement. Pour la reconnaissance de la problématique, on a une reconnaissance de la problématique, premièrement, qui se fait par les autorités publiques en termes de dépassement des concentrations sur les cours d'eau, mais également en termes de détérioration graduelle de la qualité de l'eau au Lake Taupo. Désolé. Je vais juste vous montrer la conclusion générale de cette partie-là. En général, ce qu'on se rend compte, c'est que le problème le plus important dans les marchés sur la qualité de l'eau, c'est lié au coût de transaction. Donc, en dehors des coûts de production, des compensations, c'est-à-dire les coûts en termes de temps et en termes financiers pour réaliser les échanges. Ce qu'on remarque dans ces 2 études de cas, c'est que les autorités publiques sont un acteur vraiment important pour diminuer ces coûts de transaction. À travers la création d'intermédiaires, c'est-à-dire de tierces parties qui vont récolter les droits d'émission pour les distribuer, mais également en termes d'élimination des coûts de transaction. Par exemple, pour les méthodes d'estimation, à partir du moment qu'une autorité publique va définir une méthode d'estimation qui demande moins de coûts financiers ou en termes de temps, ben ça va diminuer les coûts de transaction sur tous les acteurs du programme. Dans nos 2 études de cas, le rôle de l'autorité publique est très important. Au Total Phosphorus Management Program qui est en Ontario, les autorités publiques ont créé une chambre de compensation. C'est-à-dire que cette chambre de compensation va aller taxer les émissions en phosphore provenant d'acteurs industriels et ensuite elle va redistribuer les fonds récoltés chez les agriculteurs pour produire des pratiques agro-environnementales. C'est-à-dire que les échanges en droits d'émission sont médiés par la chambre de compensation et il n'y a pas de transaction directe. C'est ce qui fait que les coûts de transaction sont très bas, mais ça limite la liberté des acteurs. En Nouvelle-Zélande, au Lake Taupo, ce qui est particulier, c'est qu'il y a eu 3 volets. Il y a le plafond d'émission, il y a le programme d'échange des émissions et il y a un troisième volet qui s'est ajouté au programme, qui est le Lake Taupo Protection Trust, qui est un fonds financé par les autorités publiques qui entre dans le marché sur la qualité de l'eau pour acheter des droits d'émission qu'il ne va pas remettre sur le marché en vue de diminuer les émissions générales. Et c'est comme ça, c'est sans
les interactions d'acteurs privés, c'est à travers des autorités publiques qu'ils ont réussi à diminuer leurs émissions en azote dans ce cas-ci. Pour les conclusions pour le Québec, est-ce que j'ai le temps de présenter ou rapidement? On a une absence de cible légalement contraignante à l'échelle de la province, que ce soit pour le phosphore ou pour l'azote. On a des mécanismes d'estimation des émissions en nutriments, notamment le bilan phosphore qui doit être produit par les agriculteurs dépassant un certain seuil de production à chaque année. Et je vois en ce programme-là un proto-mécanisme d'estimation des émissions qui pourrait être utilisé dans le futur si on met en place des marchés sur la qualité de l'eau. Il y a aussi le programme Prime Vert, qui est un programme de paiement pour services écosystémiques financé par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transaction entre acteurs privés, c'est directement le gouvernement qui va financer des pratiques agro-environnementales, et c'est ce qui se passe à South Nation en Ontario. Et donc si on arrive à trouver une source privée de financement pour ce type de programme qui pourrait se coller au financement public, ben, on pourrait avoir un style de marché sur la qualité de l'eau un peu comme celui qu'on retrouve à South Nation. Ce que vous trouvez dans mon rapport, c'est que les marchés sur la qualité de l'eau ne sont pas des programmes qui servent au gouvernement pour se désinvestir. Au contraire, c'est des marchés qui permettent d'étendre le champ des politiques publiques à des acteurs qui étaient difficilement atteignables à prime abord par des modèles de gouvernance traditionnels. Et également, ça permet de toucher à d'autres objectifs en parallèle, par exemple des transferts de ressources vers des communautés rurales. Et donc, désolé, ça a été un sprint, cette présentation, mais il y a le document qui est prêt aujourd'hui. Et donc, si vous voulez le consulter, ce sera avec plaisir. Merci. Merci, Bilal. On a peut-être le temps pour une petite question, s'il y en a. Là. Bilal, tu viens de dire qu'on croit qu'il n'y a pas de cibles contraignantes pour l'instant au Québec. On utilise souvent une cible pour le phosphore de 0,3 mg par litre. Oui. Ça veut dire que si on veut faire un marché, il faut donner une quantité de phosphore qui peut sortir d'un hectare qui est en culture pour arriver à quelque chose? Est-ce qu'il faut mettre un chiffre comme ça pour chaque champ, la quantité qui peut exporter? Comment est-ce que tu vois cette façon d'organiser le marché? En termes de quantité, ça se fait à deux niveaux. La définition d'un plafond d'émission, ça se fait soit à travers la concentration de nutriments dans l'eau. C'est ce qui se passe à South Nation, dans le sens que dès qu'on dépasse un certain seuil de concentration, on interdit toute émission additionnelle, ou alors on détermine une quantité générale à l'échelle du bassin versant en termes de kilogrammes ou de tonnes de nutriments, qui par la suite va être divisée entre les acteurs. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est qu'on va prendre ce quota général et on va le diviser parmi les émetteurs dans le bassin versant. Ça peut se faire à travers plusieurs manières, à travers des enchères, à travers des loteries. Mais comme j'expliquais, la manière la plus utilisée, c'est l'approche par droits acquis. C'est-à-dire qu'on va prendre une proportion, une distribution préalable au programme, et on va la respecter pour toute la durée du programme. Ouais.